Tout démantelé. 228 à... 109. Ça fait du bien. Ouh. Ça c'est fait. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode d'Anthem. Alors, on va aller à la forge. On va aller s'occuper. Pas de ce javelin. Mais bel et bien du colosse. Hop, du bouclier de l'aube, en espérant que ça nous coûte moins. Ah bah oui, on passe de 100 réclamés à 10. Et ici je crois que c'est 25-25 à 5 et 1. C'est épique. Oh, allez, c'est cadeau. Dites-moi que ça c'est visible. Non? Pas ça? Ça l'est pas? Ah, c'est nul. Pardon, mais j'aurais tellement voulu que ce soit visible. Il apparaît même pas en tant que légendaire dans le stuff. Hein. Donc comme quoi, c'est vraiment même pas du cosmétique, quoi. Ça aurait dû être au moins un cosmétique. Tout le monde est prêt? Parce que moi, oui. Oui, on a un problème. Par problème, tu peux pas dire. Il faut qu'on parle. Ça sent les ennuis. Les forces du Dominion se dirigent actuellement vers le Maelstrom. L'observateur passe à l'action. Et ça, quitte à sacrifier toute une armée. D'accord. Vous n'avez plus le temps. Je veux une solution. J'ai préparé les sauts, mais ils ne fonctionnent pas. Expliquez-vous. Tout est en ordre, mais ils ne s'activent pas et aucun moyen de savoir pourquoi. Il doit manquer quelque chose au design. Nous n'avons pas le temps pour ça. Je suis à deux doigts d'envoyer toutes les sentinelles à la poursuite de l'observateur. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous savez déjà ce qui est arrivé. Ce sera un massacre. Leur sacrifice pourrait sauver tous les autres. Nous mourrons tous si l'observateur parvient à transformer le cénotaphe en arme. La mort de ces sentinelles n'arrêtera rien, et vous le savez très bien. Vous ne comprenez pas. Trop de vies sont en jeu pour que je reste les bras croisés à ne rien faire. Là, c'est de la politique, là. J'arriverai à faire marcher les sauts, même si ça... J'y compte bien. Même si elles vont plus vite que l'observateur, ça ne changera rien. Les sentinelles échoueront. Elles n'ont ni l'entraînement pour manipuler les reliques, ni les connaissances sur le cénotaphe. Nous, nous les avons. On a passé des années dessus. Nous sommes les seuls capables d'arrêter ce cataclysme, vous le savez. Alors donnez-nous du temps. Écoutez, c'est vous deux qui m'avez appelé pour que je vous aide. J'aurais pu vous laisser à la cour de Princesse Zim. Ne me le faites pas regretter. Popopo. À présent, la vie de tous les habitants du fort et de tout Antium ne tient plus qu'un fil. C'est pour ça que je suis là. Jusqu'à l'arrivée des arpenteurs de transport. Exécution. Verdict. Qu'est-ce qu'on fait? Vous parlez de quoi, là? Qui l'a appelé? Moi. Corvus ne vous suivait pas. Tu les as contactés. On était tellement proches de l'hymne. Et une fois la mission de Zim terminée, il nous fallait un freelancer. Je suis D'accord. freelancer. Non, tu ne l'es pas. Alouk. Plus maintenant. Oh, toi et ton foutu orgueil mal placé. T'es incapable d'admettre que tu ne peux plus piloter un javelin, ni que tu as besoin d'aide. Pendant 2 ans, tu as promis qu'on allait retraverser le Maelstrom. 2 ans! Tous les jours, c'était encore un peu de patience, parce que tu voulais tout faire tout seul. Et si toi, tu ne pouvais pas, personne ne pouvait. Tu crois que j'en suis pas capable? T'en es si sûr? Ouais, t'en es incapable. Arrêtez tous les deux. On n'a pas de temps à perdre à s'engueuler. Non. On n'a pas le temps. Tire-toi de mon chemin. Alouk, attends. Il faut qu'il apprenne la réalité. Je veux pas parler de ça. Je parie qu'il y allait travailler sur l'armure. Ramène-lui ici, faut qu'on réexamine les sceaux. J'aurais pas dû dire ça. Ce qui est dit, malheureusement, tu peux pas revenir dessus. Et effectivement, donc là je regarde, c'est un communicateur qu'elle a là. Hein. Un connecteur, comme ils appellent ça. Très bien. Bon. Encore une histoire qui pue du cul. Mathias qui veut me parler. Très bien. Lequel? C'est ça la question. Alors. Allons voir ça. La vie de tous les habitants de Bastion et de Fort Tarsis. Pfff. C'est pour les petites filles. Moi j'ai parlé à mon copain d'abord. Ah bah mes copains. Salut les filles. Tout va bien? À qui cette question est-elle adressée? À vous tous. Ça pourrait être pire. On a connu pire. C'était quand même une expérience incroyable. Je savais que ça irait.
L'optimisme. Je savais qu'on trouverait un moyen de te sauver. De vous sauver. Je n'en ai jamais douté non plus. Moi, si. On sait. La peine, vu tout ce qu'on a découvert. Mieux comprendre le multiple, c'est avoir l'assurance qu'il ne nuira plus à personne. Qu'est-ce qu'il bouffe des arcanistes. Donc, si je comprends bien, vous représentez chacun les différents caractères de la personnalité de Mathias? Oui, apparemment, j'ai hérité de sa curiosité et de son enthousiasme. D'accord. Et... logique, intellect. Et Sumner, celui qui a le plus de talent, bien sûr. Le survivant. La part de nous qui s'est développée dans la rue. Ensemble, on forme un grand arcaniste. Enfin, on formait. Trois arcanistes, désormais. Et maintenant, vous êtes trois grands arcanistes. À terme. Reste à apprendre qui nous sommes en tant qu'individus à part entière. Et d'accord. Et à nous habituer les uns aux autres. Au moins, on dirait que les disputes se sont arrêtées. Pas vraiment. Ça le balance. Elles ont nettement diminué. C'est déjà ça. C'est un processus d'incrémentation progressive. Bon, je vous laisse à vos recherches et je vous dis à plus tard. Ouais, c'est ça. Tu sais où nous trouver. T'inquiète. Là où ça pue le champignon. J'ai pas oublié. Et vous, au moins, vous faites plus la blague. Très bien, très bien. Plus personne d'autre? Tout le monde est d'accord pour que j'aille faire la guéguerre? Ok, c'est parti. Appelez. Passe pas souvent par là. C'est quoi ces oiseaux qui font ce bruit là? Salut. Fermier. Waouh. Je suis à l'enclave. Aucune trace d'Alouk. Rattrape-le avant qu'il ne fasse quelque chose de stupide. Ok, je vais m'enseigner. Jack. Tiens. Je le savais. Jack Laven, t'as vu Alouk? Ouais, il avait l'air furax. Il disait qu'il avait plus le temps et qu'il allait parler au commandant Vale. Ok. C'est une histoire qui pue. Je me dirige vers Vale. Pourquoi Alouk parle-t-il au Sentinel? Prépare quelque chose. Je vais pas me faire trahir deux fois par un ami. On peut appeler ça un ami. Pourquoi je le sens pas? Eh ben voilà un casque stylé. Bordel. Bon. Poto. Commandant Vale. Freelancer. Alouk est passé? En effet. Il était d'une humeur massacrante. Et pire que d'habitude, c'est pour dire. Qu'est-ce qu'il voulait? L'emploi du temps. Savoir quand les prochains arpenteurs arriveraient. Il a dit pourquoi? Apparemment, il avait raté quelque chose à la forteresse de l'aube. Je pensais que vous iriez avec lui. Oui, bien sûr. Il avait l'air pressé d'y aller. J'ose espérer que les sentinelles n'auront pas à faire le ménage après votre passage. On s'en occupe. Il va avoir volé le bouclier. Putain. Faye. J'ai entendu. Écoute, quelqu'un vient de voir Alouk quitter le fort. Comment? Dans son javelin. Il est fou. La forteresse de l'aube, tout seul. Il sera pas seul longtemps. Je vais le rattraper. J'ai peur qu'il ait pris le bouclier. Ah, pas une double trahison! Mon petit cœur n'y survivrait pas. Je veux un petit pain en rentrant. Hein. Je me le garde bien au chaud. Allez, c'est parti. Allumage. Hop là. Non! Me dis. Alors, si j'ai ce bug, ça va être chiant. Ouais, je vais la voir. Je redémarre le jeu, les amis. Ok, les amis, cette fois-ci, c'est bon. J'ai pas le dialogue qui reste affiché en bas. Faut dire que ça m'était arrivé. Et le vrai problème, c'est que parfois, ça se stack. C'est-à-dire que des fois, il va vous mettre un dialogue en cours. Et il va rester, sauf que comme il va être au-dessus de celui qui reste affiché, bah ça fait un truc qui prend de la place sur l'écran. Et c'est horriblement moche. Et j'aime pas que ça s'appelle Freelancer à terre, pardon. Mais ça sent pas bon. C'est parti. Allons-y. On va bien voir. Moi, je regarde les infos sur différents sites tels que JV.com ou Nintendo Life. Enfin, je vais plutôt sur plusieurs sites britanniques en ce moment. Britannique / anglophone. Disons que j'aime bien les différentes petites... comment dire, théories qu'il y a autour de Pokémon épée et bouclier sur la région britannique. Et du coup... Ils s'enflamment un petit peu sur place, comme nous on s'est enflammé quand il y a eu Kalos et... Qu'est-ce que tu veux? Oh non, non, non. Owen?
Réponds à ta question, qu'est-ce que tu veux? Ça, je sais pas encore. Mais ce qui compte pour l'instant, c'est que tu vas droit vers les ennuis. Comment tu peux savoir où je... Le Dominion n'est pas là pour plaisanter. T'es passé de nuisance mineure à obstacle majeur. Ils veulent que tu cesses de respirer, notamment. Une bonne fois pour toutes. C'est pas négociable. Ils te demandent pas ton avis. Aloub prend trop de risques. Ils vont le prendre en embuscade. Le faire disparaître. Quoi? Pourquoi tu nous dis ça? Je sais pas trop. La nostalgie, peut-être. L'époque où tout était plus simple. Ouais, l'époque où t'étais pas un sale traître. Aïe, ça c'est envoyé. J'ai peut-être fait des choix de carrière hasardeux, mais... Je suis pas un monstre. Surveille tes arrières. Non! Quel enfoiré. Putain, je me fais TP. Oh la vache. Je suis désolé, c'est pas normal. Aucun signal. Bref. Pas le coffre, y'a pas le coffre. Attention, il t'attendait. C'est pas grave. Je vais m'en occuper. Hop là. Très bien. Tant qu'on est bon. Aloub a dû se réfugier à l'intérieur. Tu crois que le Dominion a réparé tout l'équipement qu'on a cassé en entrant? Espérons que non. Aloub n'aurait jamais pu y survivre tout seul. C'est parti. Allons-y. C'est dommage ça. Je ferai du quick play, je dirais oui, mais là je suis pas en quick play, je demande un matchmaking. Et même avec un mec qui a déjà commencé, c'est débile. Par ici. T'as bien failli te faire tuer cette fois. Pourquoi tu m'as pas appelé? Cela dit. C'est plutôt impressionnant. C'était Owen. Owen? Ouais. Cette espèce de fumier de traître est arrivé de nulle part. Il est pas foutu de piloter, mais... Son javelin, j'ai jamais vu ça. Je m'en suis fait quelques-uns, mais pas assez. Il casse son arme! Tu te fous de ma gueule? Tu sais... Être freelancer, c'était la seule chose que je voulais faire. C'est toute ma vie. Ça, vous voyez, je suis pas d'accord. Pas de famille. J'ai tout fait, tout donné pour être le meilleur. Pour être digne de la Légion de l'Aube. J'ai tellement lu et relu leurs histoires que je peux les réciter par cœur. Il n'a plus de texture d'un seul coup. Ouais, moi aussi. Tu sais pourquoi? Tu m'as appris. Tu nous l'as tous appris. Je veux pas être prof! Aloub, arrête! T'es pas tout seul. Les freelancers travaillent en équipe. C'est toi qui me l'as appris. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, regardez qui est de retour. C'est une belle petite ordure. Owen, t'as un sacré culot. Quoi? Ça fait bizarre de me voir piloter ce javelin? Vous deux n'avez jamais voulu reconnaître mon talent. Je rêve où il a un visage. Eh ben figure-toi que oui. Ça a pas trop marché à ce que j'ai compris. Pas trop. Mais le temps que ça a duré, c'était génial. Qu'est-ce qui lui arrivait au niveau du visage? J'étais magnifique. Vous auriez vraiment dû voir ça. Mais bien sûr, ça n'a pas tenu. Apparemment, il lui faut le signer, mais ça je pense que vous le savez déjà, n'est-ce pas? Et là, ensuite, catastrophe, retraite. Échec. Et finalement... Il est aveugle. Un châtiment. Depuis ça, le Dominion et moi, c'est de l'histoire ancienne. Ça prendra. Là, je pense que ça te servira de leçon. Oh. Et moi, je pense que tu as été extrêmement chanceux que je sois là pour te sauver. Eh bien, il semblerait que tes capacités légendaires étaient légèrement exagérées. Juste un peu. Attends une seconde. T'as ton propre bouclier de l'aube? Il a dû extraire les plans de la forteresse. Mais oui, c'est très bien vu. Vous voulez toujours accéder au cénotaphe, mais alors pourquoi? Ça marche pas. C'est ça? Non, évidemment que ça marche pas, même avec son signet. Oh, alors ça, c'est dommage. Bon, allez, maintenant, finis de jouer.
Tu vas nous le donner. Non. Il m'appartient maintenant. Owen, arrête, je te jure que... Ça ne te concerne pas. Il faut qu'on parle. Va à l'Arpenteur. On se retrouve à Tarsis. J'ai pas envie de te parler. J'ai envie de te défoncer, en fait. On était partenaires. On était amis. Si t'avais pas sauvé la vie d'Alouk, je l'ai entendu. Lim, moi aussi, je l'ai entendu. Et maintenant, je comprends qu'il puisse pousser à commettre les pires atrocités. Je vois. J'ai vu l'Observateur l'entendre à nouveau. Et il en est devenu fou. Il a cette machine, une sorte d'arme. Et crois-moi, il est prêt à tout pour la transporter jusqu'au cénotaphe, même si ça veut dire la traîner sur les cadavres de ses propres soldats et de son armée. Okay. C'est quoi ces textures? Je suis désolé. Je sais très bien que je mérite pas ton pardon. Mais j'espère pouvoir me racheter, et peut-être même te sauver la vie. Tiens. Prends ça, mon ami. Je suis pratiquement sûr que tu y seras arrivé par toi-même, mais le temps presse. Dis à Faye d'analyser ça, répare ton bouclier, construis-en d'autres. Enfin, tu m'as compris. Tu comptes aller où? Très franchement, je sais pas trop. Vers l'est, l'ouest, à voir. Une fois encore, désolé. Ça, tu l'as déjà dit. Ouais, non, pas que pour ça. En fait, je détecte un paquet de furies du Dominion en approche en ce moment même. Oh, ouais, elles ont l'air bien dangereuses. Mais je suis sûr que ça va aller. L'enfoiré. Oh, espèce d'enfoiré. Allez, venez. Owen, vous savez pas. C'est une furie, l'élite du Dominion. Mais toi, t'es l'élite des freelancers, non? On va bientôt le savoir. Vise le rouge, Marcus. C'est bon! Tu croyais vraiment que j'allais te laisser recharger ton genre? Tu devrais te sentir flatté. C'est vrai, chaque balle est un compliment. Ah bah dis donc, j'ai jamais été aussi complimenté de ma vie alors. Ok, direction. Nice. C'est bon, tu les as eu. Tu as survécu à une furie. Ça a l'air de te surprendre. J'avoue. Je ne suis pas allé très loin, je suis à l'extérieur, il faut que tu vois ça. Je suis à la porte. C'est inquiétant. Très inquiétant. J'ai plus de vol déjà. Il y a des inhibiteurs de vol partout. Je peux à peine sauter. Et toi, tu peux encore te sauver. Jamais de la vie, c'est qui tout double, Alouk? Je suis un point mort, gamin. Mais non, la ferme. Occupe-toi des suppresseurs de vol, je vais nous ouvrir un passage. Mis à part ça, on a des radios, hein. On va pas te faire autant par ici. Tu vas avoir besoin d'une extraction. Je compte sur toi pour un miracle. Je suis sur le coup, j'ai un mot. Jusqu'au bout. Hop les. Il va y avoir les saletés. Ok, très bien. J'ai réussi mon combo. Je vois pas de grosses bestioles. Autant pour moi. Bouffe. Prêt à vous avoir tué, vous. Ok. Comment ça va? On serre les dents. C'est... Oh, ça va. Une fois, j'ai affronté 3 douzaines de proscrits qui m'avaient piégé dans un canyon. Comment t'as survécu? Ah putain, j'ai pas le vol. C'est ça, laisse-moi en plan. Ah. Tu m'avais pas... Ah, c'est chiant. Bon, on l'a eu. Boum. Arrête de faire ça. Oh, respect un petit peu. Hop là.
C'est con, hein. LOL, je me suis protégé. Arrête. Hop, laisse-moi viser un petit peu. Putain, c'est vrai, je peux pas voler, c'est chiant. Ah. Je prends des dégâts assez incroyables. Des 7. Ah. Et tu me gonfles. Ah merde, je rate ça en plus. Une balle. Allez. Oh non, mais j'ai même... Faites gaffe, hein, si vous marchez dans la neige, vous pourriez geler entièrement. Ça, je suis pas d'accord. L'acide, je veux bien. Même ça, je veux bien. Mais la neige, non. Ah! Combo! Hop là! Bien, t'as réussi. Faut que commencer, c'est sûr. Ça dit, c'est fun comme. Occupe-toi du combat et je me charge de me sortir de là. Alouk, comment ça se passe? Concentre-toi sur le combat. Je m'occupe de ces inhibiteurs à la loi. Franchement, il faut que je me soucie un peu des deux. Un coffre? Nice, une braise épique. Et tout le monde y gagne. Quand j'étais piégé dans ce canyon, j'ai couvert le côté nord et mon partenaire le sud. Tu sais quoi? À aucun moment je me suis retourné. T'avais confiance, c'est bien, hein, bravo, mais vu que tu m'as trahi quand même juste un peu avant, Cowen me trahit constamment et voilà quoi. En termes de confiance, mon niveau maintenant il... Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu crois que j'essaie de faire? Bah, pour l'instant, je trouve que t'as pas beaucoup de résultats. Putain. On dirait que l'inhibiteur de vol a un circuit auxiliaire. Je peux rien faire s'il reste actif. Il y a un générateur pas loin. Ça pourrait résoudre le problème. Ça peut pas loin. Je crois que je suis hors de... Ouais, ouais. Il était tricky. Pourquoi je peux pas simplement tirer dessus? Notre jeu. T'es pas vu? Qu'est-ce qui aurait pu me geler? Ok, bouffe. Faisons ça comme ça. Ah, tu me saoules. Comme ça, si ça réapparaît là. Ah, t'inquiète pas, ça va de ce côté-là, mais ça m'énerve. Où est-ce qu'elle est? Effectivement, je vois pas les trucs de magie qui m'arrivent dessus là. Et ça me gonfle. Ça prendra. C'est bon, Alouk, c'est fait. Laisse-moi. Nice. Foutue technologie du dominion. Tu te fous de ma gueule? Non mais lol, c'est même pas là que j'ai visé. Je crois qu'il y avait encore une bestiole. Un lican ou je sais pas trop quoi là. Ok, et maintenant? Je sais qu'il y en a un juste là. Oh! Voilà, ça t'apprendra. LOL. Hop. Alors. Tiens, bouffe. C'est dégagé, tu peux y aller. J'ai encore mieux. C'était temps. J'ai encore mieux. Le miracle est en chemin. Un marchand me doit une faveur. Il détourne son arpenteur pour nous. Il vous attendra de l'autre côté du pont.
D'accord. Ah bah bien. Merci, ça va. La tactique, c'est ça la clé de la victoire. Comment ça? En réalité, il fallait que tu veuilles me sauver, il fallait te motiver. Pour cette histoire de poids mort. Bouf. Un bon chef, c'est ce qui motive ses troupes. Mon partenaire dans le canyon. Ok. Il me demandait comment ça se présentait côté nord. J'arrêtais pas de dire que tout roulait. Je lui mentais comme un arracheur de dents. Les proscrits n'en finissaient pas de débarquer. Oh c'est bon, hein, je suis pas un rookie. Hein. Accroche-toi, Roland. Salut. Non, non. Hop, les couché. Oh. Longue histoire. Ouais, j'ai peut-être pas intérêt à savoir. Non, vaut mieux pas. Moi aussi j'ai des explosifs. Hein. Où ça? Où ça la furie? Putain. D'accord. Rassurant. LOL. LOL. Oh. T'acceptes de les prendre les dégâts ou... Y'a du monde hein. Là c'est la guerre. Là c'est vraiment la guerre. C'est bon, j'ai réussi à le foutre au sol. Hop, parfait. J'avais peur qu'en un seul coup ce soit pas suffisant. Ah! Quand t'es en hover, il y a une espèce, vous voyez, de. Il continue un petit peu à avancer, il y a une espèce d'inertie, c'est bien fait, hein. Mais alors par contre, ça dérange. Couché. J'ai pas l'habitude de cette espèce d'overing. Alouk, merci du coup de main comme d'habitude. C'est moi qui viens de me casser le cul, hein. Fais gaffe quand même. Hop là. Ah, il a pas de. Hey, il a pas de grille sur le dos, vous avez vu celui-là? Nice. Par contre, il a des grosses sacoches. Eh, hey, intéressant. Ça, c'est bien par contre. Il y a de la diversité sur ce point-là, dommage qu'il n'y ait pas de diversité sur les armes en termes de skin. Enfin, pas tant que ça. Etc, etc, quoi. C'est dommage. Mais ça, c'est cool quand même, comme petit... enfin, pas accessoire, mais comme petit... mince, détail. Comme petit détail. Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Hier, j'avais pas le gameplay, aujourd'hui, je trouve pas mes mots. C'est quoi ce bordel? Bon, le kikimeter, j'imagine que je vais gagner. Voilà. Oh! J'ai gagné au Kikimeter. J'y crois pas. Franchement, je pensais pas que ça puisse arriver un jour. Et là, tu me files pas de mission de cinématique. Alors là, je comprends plus. Là, je mérite ma cinématique, normalement. Alors, je vois, voulez-vous voir les statistiques de votre alliance? Ajoutez-moi sur Origine, les gens. Hein. Monsieur Marcus Bonus, MR Marcus Bonus. On puisse jouer ensemble. Et en profiter chacun des autres. Zoé voulait me parler, ça faisait très longtemps. T'es à... Hein? T'es célibataire cette fois-ci? Regarde qui voilà. On peut dire que tu sais mettre ton javelin à l'épreuve. Sortir d'ici, c'est jamais une promenade de santé, hein? Tu t'attendais à autre chose? Non, je devrais pas en fait. Le maelstrom dans le viseur, c'est pas la première fois d'ailleurs. Ça fait partie de l'aventure, hein? Il est temps. Je
préfère toujours aller de l'avant, mais maintenant, c'est le moment de revenir en arrière. Parfois, il le faut. J'ai accompagné mon fils à la plateforme tout à l'heure. Il a regardé les freelancers décoller. Nice. Il dit qu'il s'envolera aussi pour réaliser quelque chose de dingue. C'est un rêve plutôt sympa. Ça t'inquiète moins qu'il veuille devenir freelancer ? Oh, je suis toujours inquiète. Je m'inquiète pour vous tous. Je vais rester un moment. On se débarrasse pas de moi si facilement. Si je voulais, je pourrais. Après tout, c'est moi qui effectue les entretiens de routine. Quoi ? Avec les efforts que je mets à m'occuper de tes javelins, t'as intérêt de les ramener. Ah, de tes javelins, ça c'est cool. Tout le monde ne revient pas. Ça arrive tous les jours. Ouais. Les petites touches, elles améliorent les exos. Et elles sont la preuve que quelqu'un se soucie de vous. Vous n'êtes pas que des numéros. Tu dis que le fort, c'est chez toi. Je fais juste en sorte que tu retrouves ton chemin. Oh, c'est adorable. Oh là là. Il n'y a pas de romance, tu dis. C'est débile. Il y a tellement de marge pour de la romance. Il y a tellement de gens qui veulent me parler aussi, c'est incroyable. J'ai entendu à la radio des marchands. Ok. Alouk. Qu'est-ce que t'as fait de ton javelin ? Salut. Un problème ? Non, je suis juste en phase contemplative, comme dirait Faye. À propos de quoi ? Des paroles pleines de sagesse que je vais te servir. En l'occurrence... Ne te crois jamais immortel. Tu veux laisser ton empreinte ? Devenir une légende ? Alors pars du principe que ton prochain combat sera le dernier. Pas très motivant. Alouk, un discours de motivation, c'est censé motiver. Je suis pas là pour jouer les sergents instructeurs. Oh. Comme pour notre première rencontre avec le Maelstrom. Alors, qu'est-ce que t'essayes de dire ? Je peux t'apprendre ce que je sais. Et je sais que si tu attends ton heure de gloire en pensant qu'elle arrivera demain... qu'elle n'arrivera pas aujourd'hui. Tu n'as pas attendu ton heure de gloire, Alouk. Bien sûr que si. Le Maelstrom m'a détraqué. Je ne voulais pas avouer que j'étais le maillon faible. Je me faisais vieux. Je croyais que j'avais tout le temps du monde. Mais personne ne l'a. Ta légende, c'est aujourd'hui que tu l'écris. C'est notre légende à tous les freelanceurs. Pas la mienne, la nôtre. Et justement, mon deuxième conseil, ne jamais faire cavalier seul. C'est un jeune freelancer insolent qui m'a appris ça. C'est marrant, j'ai ça d'un vieux freelancer grincheux. Ça pourrait être le début d'une belle amitié. Si on s'en tire, on aura bien le temps de le découvrir. Ouais. C'est cool. C'est presque... J'ai presque envie de dire que c'est dommage qu'ils aient pas inclus un système ou même jouer avec des bots, en fait. Un peu à la... Ah bah à la Mass Effect, quoi, BioWare. C'est presque dommage. Mais bon, après, les gens continueraient à partir sur ce genre de choses. Et ouais, ouais, je sais pas. Non, c'est mieux comme ça, finalement. En y réfléchissant un tout petit peu, c'est mieux comme ça, parce que sinon les gens continueraient à jouer avec des bots. Ils trouveraient des raisons X et Y pour dire « Ah, mais regardez, c'est des bots, ils sont à chier !» Et ils auraient encore plus de raisons de gueuler, alors qu'il n'y en a pas des masses. Ah ! Je vais les moutons ! Justement, je te cherchais. Je suis content de te voir. Pourquoi ? Salut ! Qu'est-ce qui se passe ? Mon frère, voilà ce qui se passe. Il me retrouve ici. Il devrait plus tarder. Tu veux que je parte ? Non, reste. C'est une chose de vaincre des créatures marines cracheuses d'acide. Mais la famille en est une autre, je vois. Je sais pas quoi faire. Tu crois que je dois être honnête et lui ordonner de ramener ses fesses sur le navire, ou plutôt être encourageant ? Sois encourageant. C'est de la famille. Je crois que tu devrais être encourageant. C'est sa vie, après tout. Être encourageant. Je vais essayer. C'est juste que... Ah, le voilà. Cassian. Je vois que t'as amené du renfort. Sympa, très sympa, ta manière de te présenter à mon ami. Eh, je te connais. Je t'ai vu manger un manticard chez la princesse Zim. C'était comment ? Succulent. Étonnamment bon. Je repense sans cesse à la texture. Orion, pourquoi tu m'as pas contacté ? Je me suis fait un sang d'encre. Tu te fais toujours un sang d'encre ? Tout va bien ? L'équipage attend. La caravane est presque prête pour rentrer à Fortuo. Tu vas me faire la leçon maintenant ? Me forcer à venir ? Pas cette fois, Cassian. Encourageant, on a dit. Mais on y est presque. Pourquoi tu veux quitter la caravane maintenant ? La caravane ? Naviguer, c'est pas une vie, je veux rester ici. Encourageant. Ok, si tu veux rester ici, je te soutiendrai. Mais pourquoi rejoindre les régulateurs ? Je n'ai pas comme toi le sens du devoir aussi développé. Eh, on se détend. Ton frère veut juste discuter. Tu penses que les régulateurs se soucient de toi ? Oui, je crois. Ils me respectent. J'ai enfin trouvé ma place dans le monde. Ta place dans le monde ? Une place sans toi,
Rentre à la maison, Cassian. C'est fini. Un petit con, son frère. Pardon, mais... Quoi j'ai à faire, sale gosse. J'avoue. Un conseil à donner, freelancer, parce que je suis preneur. Laisse-le partir. Cassian, tu dois le laisser tranquille. Faire ses propres choix. Ah, il est tellement... Je veux juste le protéger, tu comprends ? Ouais, suivre sa voie. Mais il y a un moment, ils veulent plus être protégés. Inspiré par les grandes actions du général Tarsis, c'est ça ? Il y a sûrement une fresque à ce sujet quelque part. Tout ira bien, Cassian. Ouais, je dois juste aller réfléchir. À plus tard. Ouais. Très bien, il y avait une autre personne normalement. Aha ! Salut ! Bon sang. Qu'est-ce qui va pas ? Ça, écoute. Que dirais-tu d'accepter ce poste d'enseignante ? La sécurité avant tout, ma chérie, je... Mon père a été tué lors d'une tempête. Ma mère craint qu'il m'arrive la même chose. Elle déteste ce que je fais. Et moi, je redoute ses messages. Toujours pareil, elle pleure, elle me supplie. T'es plus fort qu'elle, t'es sa fille, c'est normal qu'elle veuille te protéger. Je l'imagine mal cesser de s'inquiéter. Je veux pas la faire souffrir. Je veux qu'elle soit heureuse comme je le suis. Et ça, ça n'est pas près d'arriver. Je me trompe ? Et enseigner, ce serait si terrible ? Peut-être pas. Je pourrais même être assez douée. Tout le monde dit que j'explique bien les choses. C'est vrai. En plus, c'est vrai, c'est vrai. Plus jeune, c'est stimulant. Mais comment tourner le dos à tout ça ? Tu es lancier. Il doit bien y avoir quelque chose qui te pousse à risquer ta vie au dehors, jour après jour, comme moi. Mon travail est important. Ce que je fais est important et vaut bien la prise de risque. Alors tu comprends ce que ça fait de s'investir à fond pour une cause à laquelle... Oui, oui, oui. Si j'arrête, j'ai peur de le regretter ou de passer à côté d'une découverte majeure. Il faut que tu vives ta vie. À toi de choisir. Sois forte. T'as pas à t'excuser pour la vie que tu souhaites mener. Pense d'abord à ton bonheur. Ça fait de moi quelqu'un d'horrible ? Je dirais pas ça. T'as pas prise sur ce qu'elle ressent et tu peux pas mener ta vie en pensant qu'à elle. Quelle lourde responsabilité. Tu vas t'en sortir. Bois une tasse de thé. Oh ça, je compte écluser plusieurs thés hier ce soir. Il me faudra bien ça pour trouver quoi répondre à ma mère. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien. Pas de soucis. T'en prie. Ouais, on m'a jamais servi un seul verre là-dedans, tu sais, hein. Un boui-boui, t'as pas le droit de boire, apparemment. Enfin, en tout cas, moi, j'y ai pas le droit. Et pourtant, je fais en sorte que des gens puissent venir y boire, mais moi, j'ai pas le droit. Ça fait chier. Qu'est-ce qu'il y avait dans le coin ? Ici, il y a Prindel qui a encore me demandé d'améliorer Fort Tarsis, ça c'est cool. Je lui avais dit de ne pas prendre à la légère cette douleur à la nuque. Qu'est-ce qui t'arrive ? Prindel. Méfiez-vous, je suis d'humeur massacrante. On va peut-être changer ça. Dis-moi. Comment m'y prendre pour vous redonner le sourire ? J'entrevois une possibilité. Vous pouvez m'aider à voir les choses avec une autre perspective. Essayons. Je t'écoute. De quoi s'agit-il ? Mes initiatives en ce qui concerne la circulation des piétons n'ont rien donné. Zéro progrès sur le front des câbles accidentogènes. Et ma proposition de règlement concernant les eaux stagnantes est au point mort. Sacré coup dur. Vous comptez faire quoi ? Quitter le fort, ni plus ni moins. Non, pars pas ! À mon humble avis, vous devriez rester. C'est très aimable à vous, mais mon avenir est à Antium. Qu'est-ce qui vous motive à rallier la capitale ? Le fait qu'elle regorge de bureaucrates et de politiciens, des gens qui aiment voter des lois et faire de la sécurité une priorité. Non, t'as rien compris à la politique. Comme vous, vraiment. Le constat me coûte, mais j'ai le sentiment d'avoir perdu mon temps à essayer de faire du fort un lieu de vie plus agréable. Tu fais erreur, encore une fois. Le fort est bel et bien plus agréable à vivre grâce à vous. Pourquoi vous dites ça ? Parce que vous êtes bien plus que le chargé de la sécurité ici. Ouais, c'est vrai. J'ai toujours aimé m'occuper de l'entretien. Et comment ? Vous en avez fait des choses dans ce domaine-là, pas vrai ? Oui. On a donné un coup de propre au marché. Et aux façades. Et notre horticulteur a égayé l'ensemble avec de jolies plantations. Grâce à vous, je prends conscience que j'ai en effet contribué à l'embellissement du fort. Ça, c'est sûr. Dis donc. Et qu'il y a encore du travail à faire. Mais encore ? La fontaine dans la cour. Elle ne coule toujours pas. Vous avez confirme. Je le suis. Veuillez m'excuser, mais j'ai une fontaine à réparer. Ah, c'est bon, on l'a requinqué, on va dire. Cool. Donc la prochaine fois, ça va marcher. Nice. Nice, nice, nice. Donc ici, il nous reste... C'est où, ça ? Pardon, hein, mais... On va aller voir Mathias et... Enfin, j'imagine qu'il y a les deux Mathias qui vont nous dire quelque chose. Sumner, Eryl et Mathias. Il y en a un des deux qui... Un des trois qui va...
m'a donné une quête. Oh, arrête. J'ai découvert quelque chose dans le codex élyséen. Je t'écoute. Des symboles similaires reviennent souvent dans le texte. En les décodant, on obtient des coordonnées. Des coordonnées pourquoi ? Je ne sais pas. Rabban Mor, l'auteur d'origine, a dû les cacher dans le codex. D'accord. Mor était l'un des plus grands arcanistes de tous les temps. Sa compréhension des instruments des démiurges était sans égale. Ok. Je ne veux pas m'avancer, mais ce qui se trouve à ses coordonnées devrait être incroyable. Laisse-moi intéressant. Que j'aille jeter un œil. Précisément. Tu es d'accord ? M'en charge. Eryl a découvert des coordonnées secrètes dans le codex élyséen. Il pense que Rabban Mor, le premier auteur du codex, a dissimulé quelque chose à cet endroit. Aider Eryl à retrouver ce que Mor a cherché à cacher. En son temps, Rabban Mor était un éminent arcaniste, le premier à avoir percé dans l'étude des instruments des démiurges. Le chaos engendre la peur. Marcherions-nous si nous pensions le seul incapable de nous soutenir ? Nous devons trouver l'ordre dans la tourmente. Logique. Pour que chacun profite d'un plus grand savoir. Il s'agit de la vocation de l'arcaniste. D'accord, ok. Je crois pas qu'il y avait autant de plantes avant. Ah, waouh, vous êtes tous téléportés là. Donc on en reste là. Vous serez trois, pour toujours. Le multiple n'a pas encore dévoilé tous ses mystères. Nous trouverons peut-être un moyen d'inverser la séparation. Mais la priorité, ça reste le Maelstrom et le Dominion. Après ça, à voir si on veut toujours fusionner. Si ? J'ai du mal à imaginer ce que ça peut donner maintenant. Ne plus être moi. Ne plus me coltiner ces deux idiots. Oh, par les étoiles ! Moi aussi. J'en conviens aussi. Excellente nouvelle ! C'est formidable de vous voir vous entendre aussi bien. J'ai jamais dit que je voulais pas m'entendre. C'était le problème de quelqu'un d'autre. C'était ma faute à 100%. Désolé. Des excuses ? Ma parole, quel développement personnel. Nous devrions être capables de changer à présent. Même si ce n'était pas le cas auparavant. Oh, vous savez quoi ? C'est comme Garaxis dans le Lancier Pourpre. Oh non, pas encore. De Garaxis était nullissime. Garaxis était un javelin qui, après un accident avec une relique, a développé une conscience propre. Ouh, nice. Plusieurs épisodes dédiés à Garaxis et au développement de son identité propre. J'adore ce genre d'histoire. Un objet inanimé qui apprend à être quelqu'un, j'adore. Il faut que je ressorte ses archives. Pff. Fais pas attention à lui. Tout est stupide à ses yeux. Ça l'était. Surtout quand ils ont fait en sorte que Garaxis tombe amoureux de son propre pilote. C'est ce qu'on appelle le fusionnel. Oula. J'ai trouvé ça mignon comme histoire. Arrêtez les rotatives. Est-ce qu'Eryl vient d'exprimer un avis ? De quelle rotative tu parles ? Non, on n'est clairement pas arrivé. En tout cas, on devrait libérer le freelancer. Vous êtes sûr ? Évitez de vous entretuer à mon absence. Je crois qu'on va s'entendre. Peut-être même bien. À la prochaine, nice. Freelancer. Par contre, arrête de boire. Contact. Je crois que c'est ça, doit être de l'alcool qu'il a dans sa petite bouteille. Je sais pas. Ok. Bon, on est d'accord, c'est le seul dialogue qui me reste. Ah non, il m'en reste un autre. Très bien. On va rentrer dans la petite maison. Coucou. Ah, pardon. Ça va les filles ? Freelancer, tu viens voir comment on va ? Je me demande comment se passaient les leçons de cartographie. Super bien. Chez moi, c'est un don inné, visiblement. Un don inné qui nécessite beaucoup de travail. Elle y arrivera, tout comme l'humilité. Ah, ça serait méchant. Non, elle y arrivera. Tirez vers le haut. Dax va y arriver, surtout avec ton aide. Sans trop vouloir flatter l'ego de ma nièce, j'en apprends autant d'elle que l'inverse. Ah bon ? Ben bien sûr, l'expérience fait pas tout. Ça compte beaucoup, le 109. Travailler avec toi, ça me rappelle mes années d'études à Eliost. Eliost ? Tante Cardea, tu as étudié à Antium ? Je suis certaine d'avoir passé 8 ans à Eliost. Dax, ça peut se tromper, rien de méchant. Simple absence. Après ce que t'as enduré, c'est normal d'avoir quelques absences. Je n'ai pas d'absence. Je me rappelle très bien certains cours. Et mon appartement. Avec des fleurs bleues à la fenêtre. Les fleurs étaient jaunes. C'est moi qui les avais volées au jardin royal. Oh oh. Mère était furieuse. J'ai besoin de m'allonger un peu.
Oh oh. C'est rien, Dax. Laisse-la se reposer. Excuse-moi. Freelancer. Oh oh. Ok, c'est quand même glauque ce qui vient de se passer. Je pensais que ça se passerait bien, moi, tout ça. Merde. Bon. Alors, apparemment, c'est par là. Oh. D'accord. Sympa ici. C'est ton jardin secret? Oh. Il faut bien ça pour calmer l'esprit d'un crypteur. Tu tiens le coup? Ah oui, à merveille. Je pensais simplement au sens de la vie, de notre présence ici, des démurges, de l'hymne, de l'existence, de l'amitié, de l'espoir. Des banalités, en somme. Tu préfères rester seul? Non, non, non. C'est bien que tu sois là. Tu sais, quand je t'ai vu arriver chez la princesse Zim, je me suis demandé si ça allait marcher. Alors pourquoi appeler Tassine? Par désespoir, je crois. Merci. En fait, je me demandais surtout si ça allait marcher avec Alouk. J'étais pas sûre qu'il accepte de retravailler avec toi. Et puis quand il a dit « Bienvenue à bord », j'y croyais pas. Je l'ai vu revenir à la vie depuis ton retour. Il se lève tôt pour travailler sur son exo, et même sur les cartes. Il chantonne. Tout ça grâce à toi. Difficile à croire, hein. Oublions Alouk et moi. Toi, comment ça va? Moi? Eh bien... C'est entièrement ma faute. Si l'équipe s'est dissoute, notre mission est un échec, et Tassine s'apprête à envoyer des sentinelles probablement à une mort certaine. Et malgré tout ça... Ce qui me désespère le plus, c'est de penser que j'entendrai plus jamais l'hymne. C'est pathétique, non? C'est l'effet qu'il semble avoir sur les gens. En plus, j'ai blessé mon plus vieil ami. Il est où? Je sais pas, il me parle pas beaucoup. C'est le temps que t'as... Mais t'es pas la seule en cause. Oui, mais elle pourrait quand même faire le premier pas. Je t'ai apporté quelque chose. C'est Owen qui me l'a donné. Owen? Je t'en raconterai plus tard. On peut s'en servir pour améliorer le nôtre? Oui, bien sûr. Pourquoi t'as pas commencé par là? Parce qu'on est amis. Je voulais t'écouter, comme font les gens bien. Mais c'est incroyable. T'as averti Tassine? Pas encore. Je voulais m'assurer qu'Owen ne mentait pas cette fois. Bien vu. Eh ben, pas ce coup-ci. Je vais lui dire que les affaires reprennent. Ok, je te retrouve au javelin d'Alouk dans l'enclave. Et Alouk? On va régler ça. On compte sur nous pour arrêter l'observateur. Rien ni personne n'est plus important. Ouais. On va vraiment le faire. Bon, c'est cool, au moins elle redevient optimiste. Hop là. Bon, eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Et moi je vous retrouve demain pour les aventures de Marcus Bonus, le freelancer. Salut les gens, et yo!